bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi que nous nous retrouvons pour, j'en suis certain, j'en suis convaincu. Je mettrai ma main à couper. Le dernier épisode de Golden Sun, au bout de 11 mois, je finis enfin ce jeu. Enfin. C'était long. La dernière fois, on est allé à ce petit village, à l'eau. Oh, je sais plus ce qu'on a fait. Je crois qu'on a récupéré des trucs. On est allé à l'eau. Et je suis en train de réfléchir. Et on a techniquement un canon sur notre bateau. Je sais qu'il y a normalement il y a une touche pour aller sur le bateau. Je trouve des pièces, d'accord. Il me semble qu'il y a une touche normalement pour aller sur le bateau. Ça devait être dans le 1 là. Et bah là je sais pas ce qu'on fait. On va remonter la côte. Voilà. On fait des trucs. On se balade. D'accord. Donc là il y a un chemin, il y a rien. Je sais pas du tout où on va en fait, mais je pense, il me semble que la dernière zone est quelque part dans cette région. Région magnifique. Bah tiens, oh bah il y a une grotte là. Et bah voilà, on va à la grotte. Grotte d'Angara, ok. Bon, pourquoi pas. Moi j'ai envie de dire, allez. Ah, et bien sûr, si cet épisode fait plus de 2 heures, je couperai en deux parties parce que voilà. Oh, des énigmes. Alors une stèle d'invocation, cool. Déplacer peut-être que il y a une énigme. Ça c'est avec la petite énergie. Soulever, c'est qui là? C'est toi. C'est pas soulevé. Alors c'est quoi? Camouflage. Non. Merde, c'est qui? C'est comment? C'est pas déplacé quand même. Non, c'est pas fuir. Avec quoi déjà, bordel? Me va dans le beau drap. Je réfléchis. Flotter, c'est sur moi-même. Porter, ça va être ça. Ouais, donc un poil en haut. C'est exactement ça, c'est porté, donc c'est Garrett qui a ce qu'il faut. Donc on va mettre à la place d'embraser. Alors il faut le mettre ici. Voilà. Ensuite on monte. On pousse et on fait porter. Voilà. Donc là il faut descendre, porter, remonter. Prendre la stèle, redescendre et on se barre. C'est long, je le cache pas. Voilà. Bon, la petite énigme, alors celle de stèle, je pense qu'on ne peut l'avoir uniquement que avec les persos de Golden Sun 1, comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce que je vais gagner comme invocation? Ores, 3 de Vénus, 2 de Mars. Ok. Je pense que je vais quand même finir ça si on n'a aucun personnage de Golden Sun 1. Donc là on se barre. En fait il y a deux invocations que je dois montrer. Il y a une que j'ai gagnée à Lemuria aussi. Je sais plus le nom. Donc là je reprends le bateau. Je vole. Je vais me refoutre en mer. A priori c'était pas le bon endroit. Tac, la carte, si je vous prie. Ouais, je vais essayer d'aller un poil au nord. Je vais explorer. Donc là, c'est un niveau où je suis déjà allé. Ah, voilà. Donc là, je suis sur un continent glacé.
moi ça représente bien notre monde actuel, j'ai envie de dire. Donc là si je vais par là, bah déjà je skip des ennemis. Je skip des ennemis, surtout je sais pas où je vais. Si j'y vais à pied. Peut-être que je ne sais pas, j'ai loupé quelque chose. On a des pteranodons. Ah parfait. Je ne peux pas invoquer. Si je peux invoquer des trucs. Ah c'est Eclipse et Ores. D'accord, donc ce qu'on va faire. Prochain combat. Voilà. Là ça fait pareil, je pense, exact. Donc c'était pas là que je devais aller. Pas grave. Je vais remonter encore un peu. Mais je pense être arrivé à la limite du monde. Ah non. J'adore être dérangé. Donc du coup, on est où là en fait? Parce que j'ai pas compris. Ah. On est dans un bruit, d'accord. Les contrées du Nord, très bien. Par contre, je me soignais parce que j'ai eu un petit combat assez méchant. Je me soignais aussi là. Donc, gauche ou droite? Allez, à droite. Ça commence bien. Ah. Les déshydra et j'ai été surpris. Bon. Ça fait un peu d'XP. Et puis, voyons. Ores. Et Eclipse, allez, on va voir ce que ça donne. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. Voilà, voilà, c'est... Ouh. Ah, c'est une beauté. Ah, c'est violent. Ah, c'est beau et violent. C'est violent. Et au reste, ça donne... C'est pas d'où ça vient, ouais. C'est la classe quand même. Enfin, c'est beau. Je sais pas d'où ça vient. Oh putain, droite, gauche, au milieu. On va aller à gauche. Et c'était pas ça. Alors par contre, vu qu'il y a des ennemis. Oh merde. Non. Synergie gagnée. Esquive. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc normalement, allez au nord. Allez, pif, mettre. On va piffer. Ah, je peux envoyer Eclipse, ouais, ça, on va envoyer Eclipse cette fois. Et puis encore Eclipse. Voilà. Aux attaques de Mars. Pourquoi pas. Là on va aller au haut. Putain, lol. Ah c'est drôle, t'as vu. Ah tu sais, il y a que des Hydra. Bon, je me barre pour ce combat là. Mais les autres, je pense que ce sera aussi simple. Ça y est, je suis déjà sorti, parce que là c'est de la glace. Là c'est des giga chimères. Ok, ok. Non mais je peux balancer tout le monde. Balancer tout le monde, c'est chaud. Voilà, je pense que ça va suffire. Non,
lance est aussi puissant sur des ennemis. En fait, en vrai, ça me fait penser à Blanca, mais en vert, enfin en bleu. On va monter parce que je pense qu'au sud c'est une gigantesque blague. Ah, oh là là, que se passe-t-il? Un bloc cache bloque le chemin. Ouais, il est phénix. Ouais, il y a un manque de respect, les mecs. J'ai une initiative, il semblerait. Je n'avais pas remarqué. Aïe, ça pique. Peut-être un peu. Level up. Level up. Allez, encore un. Un quatrième. Un cinquième. Non, non, pas de cinquième. Alors vite, pointe le canon sur le bloc de glace. Tire la boule de magma et boum. C'est réaliste. Waouh, c'est génial. Bait, la mer du Nord. Oh, c'est beau. Oh, cet effet de rapetissement. Sérieux? Bonjour, je ne sais pas où je suis. Et donc là, c'est complètement gelé. D'où l'utilité de ces ailes magiques. Me permettre de voler. J'explore un poil. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Là, il y a un village, semble-t-il. Ouais, c'est un peu triste. Bonjour. Bat. Bon alors là on me la fait pas, ça sent qu'il y a un truc, hein. je suis désolé mais ça sent ça. Ça se voit des kilomètres. Merde, qui a sauvé. Ah mais ça se voit les mecs. Voilà. Bon alors, quelque chose d'excite uniquement avec les personnages de premier. Ah, que de magma. Non mais là à ce niveau du jeu je pense que je peux plus rien pote de forgeable. Ça ne servira plus à rien les mecs. Arrêtez de croire. Je sais pas où je vais. Salut le jean. Merde. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah merde. C'est une bêtise. Ah merde. Bait. Ah non, creuser. Tu m'en veux? Tu m'en veux pas. Cool. Donc la puissance de la terre vient à moi. Comment une bataille peut se trouver dans une ville de glace? Et c'est fonte. Alors fonte. Attaque ennemie. On peut pas faire plus précis, je pense. Ça résume bien. Il faudrait que j'aille déjà me repousser. Et après, peut-être envisagerai le fait d'explorer un peu plus cette ville. Putain, les mecs, vous avez une tête bizarre. C'est pas contre vous, mais voilà. Voilà. Ouais, on a bien dormi, on est full régène à fond. Est-il un magasin de quelque chose qui pourrait m'être sans doute utile? Il semblerait que non, pardon. Qu'y a-t-il ici? Ah,
ça veut dire que c'est là maintenant que je dois continuer. Ah, voilà, ça doit être là. Parfait. As-tu des raretés, des reliques? Ouais, t'as tout ce que je t'ai vendu en fait. Pour un point, ça vaut pas le coup. Par contre, je veux bien de ça. L'autre joueur, qui c'est qui a l'autre joueur? C'est toi. Je t'en prends bas une, voilà. J'en veux pas. Voyons. Qu'a-t-elle à acheter par contre? Ah mais attends, réparer. Non, ça me... non, je suis en train de faire de la merde, ça va être moins que... les armes rouillées puissent être réparées. Ouais bon, t'as rien. Bon, bah... allons-y, parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre. Oh. Y a-t-il une carte style en déchué? Mais pour, comment un seul homme pourrait-il y arriver? Que dis-tu? Si nous perdons notre temps à polémiquer, et pas polémiquer, notre village serait perdu. Alors, blablabla, des vies humaines, là, là, on ne peut pas. Attendre un miracle. Ok, bah au revoir. Hein, je vais aller à droite, ça a l'air intéressant. Si, c'est super intéressant, il y a une maison, il y a un mec là, ça a l'air trop cool. Ils ne sont pas ici. Étrange, on a fouillé tout le village, mais ils ne sont nulle part. Ils ont disparu sans laisser la moindre trace. Quand même, c'est curieux. Je ne crois pas qu'ils... ils ne sont sûrement pas partis au phare. Oui, tu as raison. Tu vas être contrarié car nous lui avons désobéi en retenant ces gens ici. Pardon, excusez-moi. Oh. Bonjour. Oh mon dieu, il y a un mot sur la table. Non, il y a... non mais il y a un... je me fais chier. Il y a un mot sur... je peux pas lire le mot. Si je fais attraper, il se passe quoi? Non. Attraper. Non, bon ok, il y a un mot sur la table, mais hein, tu ne pourras pas lire. Parce que le jeu l'a décidé. Voilà, tu es dans la merde. Bon, maintenant, eh ben, je vais aller là. Bon, ça sert plus à rien maintenant. Bah, je vais aller voir ces personnages et leur montrer ma gueule. Bonjour, excusez-moi, excuse-moi. Bonjour. Oui, je suis Pavel. On se connaît? Et oui, je suis le méchant.
je les ai battus. Non mais je les ai battus. Je les ai... Ah d'accord, finalement. Bon, ils le prennent bien, finalement. Oui, absolument. Alors, Théolos, tu as gravi trois forts. Vite, allons-y. Oui. Oui. Ah merde. Vite. Il est où? Est-ce qu'il ne fait plus fait sérieusement? Bah on va l'armer. Alors, il y a un quai au milieu. Droite ou à gauche? Grosse question. Est-ce qu'il y a rien à... Ouais les mecs, c'est la fin du monde. Regardez ça, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est beau. Putain, il y a un phare à la fin du monde. Alors allons-y. Alors c'est donc ici que tout va se jouer. Il y a plein de glace. Bon, droite, gauche, au milieu. C'est un logique à droite. Un coffre. Une bête. Il va falloir. Oh putain. Finalement, ce sera pas à droite pour moi. Déjà, ça. Est-ce que c'est... Enfoncé. Est-ce que ça marche? Ah, tellement. Facile. Le piège de merde, je m'en doutais en plus. Je savais qu'il y avait un piège de merde. Et qu'est-ce que je fais? Je me précipite dedans. Ah le con. Ah le pas doué. Ah je me sens faible. Ah j'ai fait de la grosse merde là. Je sais pas pourquoi, je sais en plus qu'à chaque fois il y a une limite qui est cachée au début du donjon. Et ben vas-y, prends le toi mais direct. Hein, on ne dira rien. J'ai un cookie, putain. Ah oui d'ailleurs, j'ai pas des objets qui boostent mes stats là. Alors vite, le cookie que je vais utiliser sur la pierre, ça, hein, parce que la pierre c'est une. C'est une bait. J'ai rien, j'ai un porte-bonheur qui. De je sais pas quand ni où. J'ai un fungus, j'en veux. Alors là j'aimerais savoir à quoi servait ce fungus. J'ai de la poudre magic, un matériau stellaire extrêmement rare. Ah ouais, j'ai des fioles, j'ai des potions. Ouais, moi je suis mort pété avec cette équipe là en matière de soins, c'est bon. Bon, donc ça ne sera pas à droite, donc sinon à gauche. Ça n'a pas l'air d'être à gauche non plus. Une latte. Ça, t'es en train de me dire que c'est une latte. Le jeu, t'as pas fumé, parce qu'une latte, elle ne ressemble pas à ça. Alors ça, il semblerait qu'il faudrait un objet ou une compétence que je n'ai pas. Donc chemin du milieu obligatoire. Très bien. Phase de plateforme. Très bien. Un terrain complètement glacé. Ouais, je vois des pylônes que je ne peux a priori pas faire fondre ou détruire pour l'instant. Une grande salle qui annonce. Sans l'étoile, vous ne pourrez... Non, vous ne montrez jamais aux cieux, partez. L'étoile. Les poisons, c'est grâce à leur sang-froid. Non, le poisson, c'est grâce à leur sang-froid, ils sont les rois de l'océan. Il y a des poissons, et là on dirait un dragon. Les dragons, grâce à leur force ardente, sont les rois des enfers. Donc, et là ce sont les hommes.
L'ascenseur, il serait le roi du monde. Roi du monde, roi des enfers, roi des océans. Et roi des vents. Donc ce serait terre, feu, eau et vent. Alors je teste des trucs là. Là, je réfléchis. C'est le dernier donjon du jeu, il y a une grosse énigme. Ça veut dire qu'il y a sans doute quelque chose. Oh, c'est quoi? Ah, c'est une épée. Ça veut dire qu'il y a une résolution quelque part. Il y a quelque chose de caché ou bien un objet à déceler. Sur cette porte. Il y a quelque chose à faire. Là, ça fait pour les rois du monde. Non, c'est pas ce que je viens de faire. Je ne vois pas. Bon, pour l'instant, là, je ne vois pas. Il me faut a priori une étoile pour avancer. Est-ce que je vais rater une porte? Ou mal compris quelque chose? Des rapaces. Je pense avoir zappé quelque chose. Vous devez jouer dans la salle à mon avis. Mais j'ai zappé un truc. Bon, je reprends de l'XP hein. Réfléchissons. Donc là il faut donc une étoile. Ah je l'ai vu. Ah non, mauvais passage. Si je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est là. Il était caché. D'accord. Le petit passage qui était caché derrière le pylône de glace, assez dur à trouver. Il était bien sac. Dame, attaque qui boostait 99. Un dragon. Level up pour Lina, tant mieux. D'accord, je vois. Bah là. Drôle. Ah c'est drôle le jeu, hein, t'as vu hein. Ah de me faire des fausses pistes. Des phénix roses. Dont un qui se barre. Ils sont pas si forts que ça, j'ai l'impression qu'ils me mettent moins loin dessus. J'ai gagné 9000. Rupture pour Sophia. Vache, ça pèque super bien dans ce donjon. Bon là c'est des tuyaux sans doute pour l'eau, sauf que l'eau a l'air a complètement l'air d'être gelée. Hein, c'est, je pense qu'elle doit être gelée mais à mort. Bon encore des blattes. Non mais vous me faites chier les blattes, c'est rien, c'est les insectes. Je veux bien croire qu'avec ces canalisations je dois être dans des sous-sols mais. Ne poussons pas le réalisme à tel niveau. Copain, fais pas ta pute, merde. D'accord. Aurais-je fait tout cela pour... J'ai fait tout ça pour rien. C'est ce que t'es en train de me dire, le jeu, là. Je ne suis pas énervé.
Putain, il a fait deux fois la bande de salauds. Moi, il va y rappel pour une pote. Moi, je me remets de la life. Et là, je prends pas la gueule. Je résiste. Encore et toujours. Double dragon dans tes dents. 17 000 d'XP. Vous allez entendre longtemps cette musique de pexage. Non mais soyons sérieux 2 minutes là. T'es en train de me dire le jeu là que j'aime faire un chemin pour rien. Tu sais, c'est pas gentil de ta part le jeu. Examine la glace. Un bloc de glace jaillit du sol. Réfléchis. Un item peut-être. Non. Pas l'air de ça. Ils sont en train de me manifester la tête là. Ah, je crois que j'ai mal. Ah, ça pique, ouais. Ah ouais, je crois que ma tête est en train d'exploser. Et il y a du bruit autour de moi, ça sera mieux. Ah, le jeu est en train de me poser un gros mindfuck. Ah, ça pique. Oh, par contre, 1042 d'XP pour ces trucs, je vais pas cacher que ça, c'est nul. Bon, donc, c'est pas par là pour le moment, il semblerait. Donc, a priori, pour utiliser là, enfin ça, il faut que je dégèle. Donc, il faut que j'enflamme un bon coup la glace. Donc, c'était pas là pour le moment. Très bien. Je vais là. Vous me faites chier. Réfléchissons. Là, il y a un bloc de glace, donc il doit être fondu. Là, je ne peux pas aller plus loin. Ou alors, est-ce que je devrais pas utiliser la boule magma? Attendez, là, je suis en train de réfléchir à un truc. Ah, j'ai une idée là qui me traverse l'esprit. Est-ce que la boule magma... non. J'ai... Ou alors c'est une synergie. C'est soit une synergie, soit un objet. Ça va quoi, ça va comme objet en mouvement? Ça sert à rien pour le moment. J'avoue que là je me sens un peu dans la merde parce que je trouve pas. Je vais revenir dans la salle du milieu. Je vais revenir dans la salle, peut-être tu as un indice manqué. Sinon on va pas le choix, je serai obligé d'utiliser une solution. Oh mon dieu. Bah il me dit plus rien. Ah, réfléchis. Je sais pas quoi faire. Non, bah je dois utiliser une solution, donc du coup je retrouve dans 2 secondes. Ça me fait juste une solution dès le début là, mais j'ai pas le choix. Allez, allons 2 secondes. Bien, alors je suis con, je suis trop con. J'ai vu une petite solution et en fait j'étais bien. C'est juste que j'ai oublié d'utiliser la bonne petite énergie. Pulvériser, évidemment.
Il fallait le deviner. Voilà. Ça, je ne le savais pas du tout. Ah, je vous le dis, je le savais pas. Donc du coup, j'ai fait un impact. J'ai fait un impact sur le bloc de glace. Si vous aussi ça vous arrive, appelez chez Carglass. On utiliserait un truc spécialement conçu pour ça, de l'eau. Cela va instantanément geler et votre bloc de glace retrouvera sa solidité. Ah, et entre temps, il s'est passé au moins 2 semaines, je joue sur une manette de 3-6. Voilà. Je tenais à le dire, c'est important. Je sais pas quoi faire. Vous me dites, je vais claquer une avoie à 4. Météore. Une attaque normale. Et voilà. Et je viens de toucher mon micro avec ma main. Il a dû avoir un bruit dégueulasse. Voilà, et puis les... Ah oui, alors j'arrête pas de passer des niveaux, là. J'ai arrêté de compter combien de niveaux j'ai gagné depuis le début. En me tournant les doigts. Enfin, en me tournant les pouces. Ah, y a pas à dire, ça va beaucoup mieux avec une manette. Vous m'entendrez plus taper sur le sur le clavier comme un taré. Et du coup là je suis moins loin de mon nez, je suis moins près de mon écran. Et ça va beaucoup mieux. Sur ma chaise tranquille. Je suis dans ma chaise posée, t'es dans ta jalousie. Je m'excuse pour avoir dit ça. D'autant que ça ne rimait pas. Est-ce que ça va marcher? Attends. À moins que. Exploser. Ah là là. Ah, je m'en serais douté qu'il y avait un piège. Enfin, qu'il fallait faire ça. De l'XP gratos. Voyons. Là, il y a un truc. Est-ce qu'il y a un truc à voir par-dessus la vérité? Non. On va aller à gauche. Et à gauche plus loin, il y a quoi? Un escalier. Ok, vite. Bon, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et des combats, Gélini, parfait, je me barre. Ouais, voilà, je m'en serais douté. Bon bah à droite d'abord peut-être. Ah bah il y a un coffre. J'ai l'initiative, j'ai vu, donc j'attaque. De l'XP gratos. Un demi-millier d'XP par combat. J'ai envie de dire... ça ne se refuse pas évidemment. Ouais. D'accord, donc je me suis trompé, j'ai loupé un truc. Il y a un truc que je n'ai pas vu. Non, pas de switch. Ah, j'aime bien cette musique, moi. Comment je peux faire pour ça? Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. Ouais, j'ai compris un peu tard. Il y a une statue à déplacer, j'avais pas vu. Oh là là. Bouleman. C'est mon nom, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais surpris. Bah voyons! Un critique. Et c'est tout. Je fuis! Lâche que je suis. Donc si je me trompe pas, il me faut mettre déplacer.
Ah c'est ça. Oh vous la sentez la phase chiante. Bon là c'est pas grave si je me prends un dégât. Voilà. Et là on pousse, allez on accélère. On bouge son boule. Voilà. Ah je sens que ça va être chiant. Level up. Putain elle est revenue au début, salaud. Ok donc du coup falloir y aller doucement. Maintenant stop. On se met derrière. On attend. Allez hop. On pousse de 1. Et là on fait tout le déplacer. Attention. Là on économise, on pousse. Attends, je peux pousser que de 1 à la fois. Allez, allez, plus vite. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Il y a toute une maîtrise de soi qui est exigée par le jeu. Surtout avec le contrôle de la manette. Merde, raté. Ah bah, à droite. Oh, du con. Oula. Ok. Pas de conneries brusques. Pousse. Bouge plus et passe. Parfait. Petite save quand même. Parce que quand pense qu'il faut. Il faut. Bon et là, labyrinthe de glace. Alors, réfléchissons. Ouais. Ok. Il était easy. Et ça m'amène où? Est-ce que je dois faire embraser? Ça me semble la solution. Ah d'accord. Alors ouais c'est la même énigme qu'à la fin du temple magma. Embraser ça projette du gaz et non du feu. Et je vais me soigner avant. Parce qu'il faut. Donc hop je me fous derrière. Et je fais embraser. Là. Voilà. Si je recommence une deuxième fois, est-ce que ça va le faire? Ah une troisième fois peut-être. Au-dessus. Je vois pas de différence en fait. Ouais non faut que je fasse exploser. Ok. Je retiens. Donc là je descends peut-être ouais. Une blatte. XP gratuit. Merci d'être venu. Il se passe quoi si je vais là? D'accord. Ok. Dans l'ordre. Faire péter ce bout de... Faire péter la glace. On va briser la glace entre moi et cette porte. Tac, exploser, non. Donc tout repose sur la synergie de feu. Pour ce phare, ok.
étrange vu que normalement ça devrait se reposer sur la synergie vente de... Ok. Voilà, il faut voir à travers les ténèbres. Et là, je fais quoi? Alors, attention, réfléchis bien. Côté. Non, il faut que j'active quelque chose. Ouais. Je dois activer quelque chose quelque part. Un mécanisme obscur. Qui doit battre toutes les lois de la physique élémentaire. Remarque déjà, les lois de la physique élémentaire sont déjà bousillées dans le jeu. C'était pas ça. C'était ça. Donc là. Une fireball. Voilà qui est bien. Une blatte, bon tranquillité. Pour l'instant tout va bien. Ok. Oh vas-y les couloirs à choix multiples. La porte du milieu. Mimikou fake. Je vais vous le dire les mecs, j'en ai. Vos matériaux là, j'en ai plus rien à foutre. Je suis à la fin du jeu quoi. Ok. Non mais ouais, d'accord. Ah mais si tu veux hein le jeu. Ah moi je suis pas là pour te dire le contraire mais. Aïe. Ça pique. Bon vous je peux vous voir. Voilà. Voilà, Eclipse, et puis le problème est réglé. Allez, au revoir. Tu meurs, tu meurs, tu meurs. Level up pour Vlad. Tant mieux. Ah d'accord, je vois. Ok. Ah, je viens de comprendre, ok. C'est bon, j'ai la technique. Prière majeure, bah parfait. Alors, équiper sur toi, à la place de déplacer, on va mettre enfoncé. Non, mets-toi bien dessus, voilà. Voilà, parfait. Ok, déjà ça c'est mieux. Non mais les blindes, sérieux. Où est passé le service d'hygiène? Wow, magnifique, arrêt du temps pour cette boule de feu. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à test. Cependant, première chose, esquive. Voilà, on attend que la boule passe maintenant. Hop. Passe la tranquillité, passe la tranquillité, parfait. Évidemment. Pas un gin à vous faire péter dans les dents. Non. Bon. Négocier un cessez-le-feu. Vas-y. Montre-moi. D'accord. Ah ouais. Ah donc ça me fait gagner un tour. Ok.
Le but c'est que ce soit utile en fait. Parce qu'à part regagner même pas un dixième de mes points de vie, même pas 1% de mes points de vie, c'est nul. Oh, résistance à Pokélix. Très bien. Et bah bouffe TP. Voilà, voilà. Oh, super. Alors. Il y a un jean. Ok. Donc, jean, priorité numéro 1. Réfléchissons. Non. Ok. Donc ça c'est pour la sorte. Ah non. Attendez, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Je pensais l'avoir. Ok, donc là je sors, là je suis bloqué à gauche, je vais nulle part. Donc là, ensuite. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Est-ce que ça... Ou attendez. Est-ce que par hasard, par simple hasard, hein... Attendez, est-ce que ça c'est possible? Ouais, je pense que c'est ça. Putain, je le savais. Je m'en étais douté de cette possibilité. Donc là, tac. Tac, ensuite. Copain, combat, combat, ok. Bon, je suis pas prêt, je suis rien, mais combat. Je vais peut-être mourir. Oh, avec des zombies. On va essayer ça. Fuis, bien sûr. Ah, la possibilité d'avoir un jean maléfique sur l'ennemi. Une possession sur l'ennemi. Ah ben, un tour et il est d'accord. Non mais ouais, pourquoi pas. Boum. Alors, voyons voir. Boum, il est là. Non, c'est pas Vel. Merde, j'ai perdu. Allez là. Alors, ressuscite tous les alliés. Bon, ok. Ça me mettra du baume au cœur. Ok. Donc là, c'est pour trouver un artefact puissant. Intéressant, téléporter c'est quoi? Bon, alors maintenant on va voir ce que cette dernière petite énergie du jeu va faire. On va le mettre en place d'enfoncer. Téléportation. Ouais, c'est moche. Je tiens à dire que c'est moche. Donc là ensuite faut que je retourne dans une salle. Je sais plus laquelle. Attendez. Non, pas celle-là. Il y avait une salle où il avait fallu utiliser vision et ensuite téléporter. Il
Est-ce qu'il ne fait plus l'effet? Je doute que ça a eu de l'effet. En même temps. Voilà. Là, ça doit être par là. Non, 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 ici, là, là et là. Je suis en train de me perdre. Je pense. J'en suis même sûr et certain. Ouais, c'était pas le bon sens, c'était l'autre sens. Faut pas me battre contre ces piafs, ils servent à rien. C'était l'autre sens. Bon, toi tu meurs en deux coups, et toi bah tu vas souffrir. Ah mais en plus si je sors double dragon. Bah tant mieux. Voilà. Là, ici. Donc là, tac. Vision. Téléporté. Ok. Et ça m'amène. Ça m'amène à un autre endroit, ok. Une salle vide. Quelque chose à... Une vérité cachée. Non. Que dalle. Ok, donc là, peut-être qu'il y a un truc à faire. Ouais. Il semblerait qu'il y ait quelque chose à faire. Une Roselle. Super nom. Attends, 5000 d'XP. Mais c'est pété. Allez hop, deux level up d'un coup. Ok. Alors, il y a trop de bordel. Une maille Valkyrie. Intéressant. Donner, alors, ok. Plus 7. Plus 11. 12, 12. Non, vous, vous êtes l'équipe de secours. Rêvez pas trop. 267, 220. Non, 220, ouais. Ouais. Équipé, voilà. Et du coup, t'avais quoi d'équipé? Mon Draco Aubert. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Donc là, je fais embraser, peut-être. Ah non, mais il faut une flamme. Merde. Ah, je suis dégoûté là. Ah, je suis un peu dans la merde. Et j'aimerais bien fuir, putain. Bah voyons, je prends tellement de dégâts. Voilà, laissez-moi. Réfléchis un instant à ce qu'il pourrait y avoir. Donc il faut que je descende, ouais. Ah ça y est, je comprends que maintenant. Ah putain, oui, je viens de comprendre que maintenant. Bon bah il va se passer un décès. Bon, il va se passer un décès. À la place d'embraser, je vais mettre enfoncer. Il va se passer un décès, je ne comprends que maintenant. Voilà. Si je gère pas, je suis dans la merde.
avantage à courir. Vite. Non. Voilà ce qui va se passer. Attention, je mène juste à côté. Je vais pas le faire finalement. Mais je pense que vous avez compris tout ce qui m'attendait. Là, il y a un couloir. Alors, intéressons-nous au couloir. Avant l'ATP. Ok. Je pense que c'est ça. J'en suis même sûr. Bon, semblant que là c'est la suite. Ouais. Donc on va prendre le portail de l'ATP qui est fait pour ça et qui va m'amener là, parce que je l'avais senti. Les initiatives dans ce jeu sont les bienvenues. Toujours avoir un mouvement d'avance. Donc là je peux me TP. Non, pas enfoncer. La TP, on va la mettre sur L plutôt. Voilà. La téléportation. Voilà. Et comme je l'avais deviné. Alors peut-être qu'il y a moyen, en étant rapide, de passer sans... Ah, je vais continuer. Ah, c'est phare de Mars. Et pourquoi j'ai dit phare de Jupiter? Ok. Ok. Alors on va se calmer. Alors attends, je réessaye doucement. Ah non, d'accord. Oui, alors gros doigt le jeu. Donc chemin safe. Récoltons d'abord ce qu'il y a dans le coffre. Je fais comment? Ok. Safe, safe. Doucement. Une lame solaire. Mais c'est pété. C'est pété. Plus 60 d'attaque. Évidemment que Vlad et Pavel. Ça va chier. À la place de potion, bam. Donc là, ma lame d'avant, elle est où? L'épée embrasée. Je donne à qui? À toi, parce que t'es faible. Et toi, t'as mis une lame de merde. Ah non. Bon bah à toi. Et toi, ta lame, c'était de la merde. Ah bah non, 304. Impec. Dans ce cas, celle qui l'avait, l'épée lumineuse. Non, personne en fait. Voilà. Allez, on court. Oula, attendez. Ah non, faut que je tombe. Je pense être obligé de tomber. Ah, je suis obligé de tomber, je pense. Bon, pas grave. Je tombe. C'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'est grave tant que c'est pas grave. Voilà. Allez, Megiddo. Oh. Oh, c'est beau. Oh, c'était magnifique. Mes yeux pleurent. C'était beau. C'était beau. Alors ça sent la base. Ça sent la grosse base. Je sais pas pourquoi.
Si on te met des petites salles avec rien, ça veut potentiellement dire que tu vas en chier. Ok. Je reste derrière les cailloux. Ah, génial! Combat de boss. Ok, donc ce qui va se passer là, c'est que je vais combattre le boss. Et si je me rate, bah je resserrerai. Et si je réussis, bah je pense qu'il y aura un petit dialogue. Je sens que c'est un combat de boss parce que y a un truc qui me dit tu vas prendre cher. Donc là, je sais ce qu'il faut faire. En vrai, sur ce côté. Donc déjà, ce qu'on va faire. Toi. Voilà. Regine. Il y a tout le monde. Sauf peut-être. Toi. C'est bon. Toi. L'attaque des alliés. Toi, ouais. Restaurer PP du groupe, ça peut être utile. Prends son soufflet attaque, non. Alors ça peut être utile aussi. Laisse l'attaque adverse. Je prends. Et ça aussi. Ça aussi. Merde. Il y avait pas fleur aussi. Voilà. Ok. Là c'est la bonne sauvegarde. Non. Je suis pas à l'aise avec cette manette encore. Ok. Embraseille. Et on est bon. Voilà. Et là ce qu'il reste à faire, c'est exploser. Encore une sauvegarde. C'est chiant. Mais voilà. C'est parti. La musique change. Dracoflamme 1 et 2. Donc, la défense directe. L'attaque directe. Ça va pas servir maintenant. Donc là ce qu'on va faire. Alors réfléchissons, nous sommes dans nous sommes donc dans le phare de Mars. Donc ce sont des créatures principalement de feu. Donc on va utiliser Boreas. Ou alors une combinaison. Sur le petit déjà je pense. Et créer un bouclier d'eau. Voilà, déjà les attaques feu vont diminuer de puissance. Voilà, genre comme ça. Ça va. Ça aurait pu être pire. 800 et 1000. Ça va. Là, on booste l'attaque. Il y a un dragon qui a toujours pas attaqué. Ma défense boostée. Voilà. 78, 27. Ça va encore. Dracoflamme qui récupère les pépés. Ok. Donc là, premier tour de recovery. On booste l'agilité pour attaquer en premier. Et là, on va faire une deuxième éclipse. Et on va... Ah putain. Baisse l'attaque du gros. Allez, intérêt à ce que je case fleur. Parce que sinon je suis dans la merde. Il y a intérêt à ce que je la case. Fleur, parfait. Ah, ça risque d'être juste. Allez, voilà, Pavel décédé. Heureusement. Heureusement, c'est pas fini. Lina.
Putain, la pauvre Acure, merde. Lina, Lina, Lina. Noisette sur ta gueule. Toi, t'as les autres jouvences. Un sur Pavel. Et toi, tu claques... Ah, putain. Cybèle. Non, une grosse invoque. Aurès. Voilà. Lisa, Noisette, Lina. Voilà, normalement, là, j'étais un camp premier. Il devrait au moins y avoir un mort. J'espère. Putain. Personne. Oracure, merde. Bon, 100 points de vie, une attaque simple. Ok, ok, ok. Là, je vais utiliser Apocalypse sur le gros. Lina, Ulysse. Toi, tu vas rendre tes points de vie. Et toi, claquer... claquer, claquer... Un jean. Bon, le combat est pas est un peu simple, je trouve. Hormis la mort, je trouve que ça va pour l'instant. Voilà. Bon, là, je vais prendre très très cher, par contre. Voilà. À moins qu'il y a mort. Pas encore. Dragon. Ouh, je vais prendre cher. Attends, dragon. Attends. Ce sort me dit un truc. Ce sort me dit quelque chose. Je vais me soigner d'abord. Ce sort me dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Je vais me soigner par contre. Je réfléchirai plus tard. Et toi, comment ça se fait qu'il n'y a qu'un seul jean? Oh merde, j'ai encore lui claquer. Un truc comme un con. Dragon. Ah, un en moins. Parfait. Aïe, Pavel, encore une fois. Aïe aïe. Ressuscite, allez. Faut que ça marche. Source sur Lina. Allez. Oui, meilleur RNG du monde. Ah par contre là. Ah je vais prendre le cher, ouais. Ouais. Il faut absolument que j'ai Oracure. Bon, j'ai perdu mon agilité. Acier, aspire les PV, parfait. Putain. C'est quoi, mine? Si on le paralysait. Réfléchis. Acier sur mine pour essayer de le paralyser. Éther. À moins que. Putain, il manque quoi? Non. Tac. Voilà. Et prière sur Lina, Cilia. Ah là là. Non, c'est bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ok, là faut que je le pétrifie. Je vais gagner un tour. J'arrive à pétrifier, je gagne un tour et c'est tant mieux. Ombre.
Allez, marche, marche. Yes. Je gagne un tour et je pense avoir gagné là. Normalement, ça devrait être fini. Je pense. 1500. Oui. Level up de Pavel, j'ai bien fait de le ressusciter. S'il y a level up. Parfait. Putain, pourtant, ça me dit un truc. Je m'en serais douté. Je m'en serais douté, ce sort dragon. Je m'en étais tellement douté. L'œil. Ah, l'inexorable. Oui. Yep, mon gars, je t'ai battu. Oh, calmez-vous. Bien. Récupérer. Yeah. Vous êtes en train de l'étoile, écoutez avec votre cœur pour atteindre les cieux, donnez-moi votre étoile. Si tu veux, gars. Merde, le sac mitril, il est où? Ah oui, c'est... Putain, j'ai donné à qui le sac mitril? Ah, j'ai perdu. Merde, j'ai perdu. J'en ai fait quoi? Je sais plus ce que j'ai fait de l'étoile. Merde. Ah, c'est con, ça. Merde, elle est où l'étoile? Merde, je sais plus ce que j'ai fait de l'étoile. Je sais plus ce que j'ai. Ah, il est là, c'est bon, je l'ai vu. C'est bon, je l'ai. Dans la bouche, c'est dégueulasse. Ouas, oula. Ouais. Je vais dire que il s'est passé quelque chose. Bon. Bon. Ok, même le background a changé. Bah tant mieux. Ce que je vais faire, déjà. On se soigne. Putain. Jin. Voilà. Voilà. Et avant de sortir, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie pour moi. Putain, 45. Je pense que tout le phare va faire deux épisodes. Des épisodes de une petite heure, voire un peu plus. Bref, moi je vais m'arrêter là, je coupe le record. Je vous retrouve dans quelques secondes pour la suite. Alors, à tout de suite.